Aujourd'hui, on va parler de la charpente de la maison de démonstration EcoHome. Ici, on voit qu'on a une charpente assez conventionnelle. C'est des 2 par 6 aux 16 pouces centre-centre. C'est sûr que dans la charpente efficace, normalement, on peut mettre des murs non porteurs aux 24 pouces centre-centre pour économiser du bois et en plus de permettre de mettre plus d'isolant dans le mur par rapport à des charpentes aux 16 comme on voit ici. Mais dans cette maison-ci, l'ensemble des murs d'enceinte sont des murs porteurs vu qu'on a un toit vert au-dessus et des longues portées de dépassement de toit de 2 pieds au complet par-dessus. Donc, faut que ça soit porteur. Heureusement que toutes les portées sont... les dessins de tout l'ensemble de la charpente avec les charges du toit vert ont été calculés par Matériau Cut qui ont fait les dessins détaillés, comme vous voyez ici, de charpente pour l'ensemble du projet. Nous, on a simplement fourni les plans de la maison à l'échelle et eux, ils ont fourni des plans de charpente avec tous les détails jusqu'au dernier bout de fourrure pour simplifier la construction. Et on sait que dans l'île d'habitation, on peut avoir des points pour les calculs comme ça. Et en plus, quand les commandes de bois vont avec les calculs de bois, on a un point supplémentaire. Donc, ça va bien dans ce sens-là. Ici, on voit des détails de charpente plus efficace, comme un coin qui utilise le coin à l'extérieur avec le coin intérieur qui donne un coin à 2 studs plutôt que de remplir ça plein de bois. Là, on peut isoler dans ce coin-là. C'est sûr que dans ce projet-ci, on a beaucoup d'isolant du côté extérieur, donc on est moins inquiet pour ce genre de détails-là que si on avait peu d'isolant à l'extérieur. Attiré par ce fournisseur-là, c'est sûr qu'il n'y a pas une tonne présentement qui ont l'ensemble de leurs produits qui sont certifiés FSC, la Forest Stewardship Council. Ici, c'est entièrement certifié FSC qu'on parle de tous les produits de panneaux de construction, tous les matériaux de charpente, l'ensemble des trosses de structures de toiture, tout est certifié FSC. Donc, c'est pas évident. Et c'est sûr que dans un projet écologique ici, on a mis une priorité sur la certification des produits bois.